Oula. Alors, suite de l'aventure. J'ai 1 million de choses à fouiller, moi. 1 million. Reprise de l'aventure pépère. Oh, je suis de bonne humeur ce soir. Ah, les gourdins. Les gourdins, les gourdins, les gourdins. C'est médecin, c'est médecin, c'est médecin. Moi, je dis Dharma, elle a un mauvais karma. Oula. Donne une petite cueillette de champignons. Les champignons mignons. Difficile. Oh. Oh, rien de magie, oui. Il faut qu'il y ait la bouve. Un regain de magie. Oh là là, je tente. Ah, yeah. Tout ça pour ça? Oh, je suis déception.
Il cultivait des feuilles d'absinthe. Il cultivait des feuilles d'absinthe. Oh là là. Tant de choses. Ah, t'as fait du foot avec un gourdin, ma chère grammaire. Je ne sais plus quoi faire. Bon, ben on a tout fait. Excusez-moi. Merde, je suis trompé de trappe. Tant pis. Toute façon, faut bien sortir. Alors. J'ai plus besoin de mon anneau de. Voilà, je vais normalement dans mon mois. Alors. D'ailleurs, je sais même pas quelle heure il est. Ah, il est 11 h du soir. Je sais pas où est ton cheval, ma grande. J'ai le mien, mais si tu veux, on peut se barrer à deux. Tu me suis ou Ah non. Bon, attends, je vais la suivre. Ah ben voilà. Bah tu peux pas. Suis-moi. Ouais, je vais prendre mon cheval, on va se barrer d'ici. Oh! La lune est énorme ce soir. Serait-ce un présage? Alors moi je sais plus, je suis perdu dans ce patelin. Il est où mon cheval là-dedans? Ah, ça me parle. Mon cheval doit pas être loin. Bah merde alors. Ah. Mon cheval. Elle me suit ou pas? Non, elle m'a l'air complètement larguée. Ah si, elle arrive pépère. Bon bah ça va, elle gère.
Bon, on retourne à ton village, on est d'accord. T'ouvres la voie, je te suis. Non, tu veux que je... D'accord. Bon, bon, on t'accorole. Allez, U. Le problème, c'est qu'il faut contourner la colline. Je vois mal nos chevaux jouer les montagnards. Ça va? Attends, j'ai quoi en charge? Ah, je serais tenté de faire le fort quand même avant de me barrer. Il y a peut-être des trucs marrants dans ce fort. Mais bon, j'y reviendrai. J'y reviendrai moi demain matin. Putain, j'ai paniqué! Attends, qu'est-ce qui se passe? Non. Ah oui, ne va pas dans le bosquet parce que j'y vois rien. Joli! Oh, cette droite. Bien joué. Effectivement, contourner le rocher s'avère être une bonne idée. Bon, on y va? Bah, et ton cheval? Mais encore, tu dirais, j'ai une envie, je vais aller pisser, je comprendrais, mais. Mais. T'as pas le droit d'abandonner Fleur. Enfin, reviens. Mon Dieu. D'accord. Elle préfère aller à pied, elle est en état de choc. Bon, bah, Fleur, tu es libre de vivre ta vie. Je ne comprends pas. Bon, je vais peut-être la suivre parce qu'elle pourra se faire agresser en chemin. Non, mais là, je suis complètement décontenancé. Je l'ai vu partir par là-bas et puis. Ouh. Bah, où est-ce qu'elle est passée? Oh non, ne me dis pas qu'il lui est arrivé malheur. Mais. Où est-ce qu'elle est partie? Là, je pige plus rien, là, je. Voilà, je te mets là, mon pauvre, je suis désolé, mais là il y a une urgence.
Qu'est-ce qui t'a pris? Mais pourquoi t'as abandonné Fleur? Des rumeurs? Voilà. Oh, comment qu'elle me mate. Oh. Donc ça va? Bon, des rumeurs. Non. Pas toi, pitié. Mais attends, attends. Oui, toi aussi. Non, mais non, mais Oui. Mais c'était fou, pourquoi la coupe terre? Je suis déçu que t'aies abandonné ton cheval Fleur après le combat. Adieu. Bonjour, c'est l'amour qui frappe à ta porte. Entraînement, je vous prie. Ah oui. Non, j'ai fait juste un. Je ferai plus tard la suite. C'était bien. Mickey. J'irai bien à l'auberge. Ah mais non, je suis con, il y a la guide de démarche. D'ailleurs, il faut que j'achète du... J'allais dire, il faut que j'achète du pilou. Il faut que j'achète des potions de régénération de magie. Je veux des potions de mana. Pouche. Pardon? Oui, moi aussi. Oui, c'est ça, tous. Oh, mon Dieu. Badibadou, si bidibidou. Y a quoi de bon à manger? Oh là là. Papadi padi pidibidibou. Ah, ferme la porte, va. Un peu de pudeur.
Ah merde, il n'y a plus de lit de dispo? Oh, je suis tristesse. Oh merde, il n'y a plus de lit. C'est la misère, je n'ai plus de chambre. Oh, les bouquins, toi. Bon, bah, je suis condamné à prendre une chambre à l'auberge. Je suis tristesse. Je sais plus, faut que j'aille voir la cave s'il n'y a pas un lit de fortune. Y a pourtant du mobilier, hein, et du beau mobilier dans la cave de la guilde, mais... Pour espérer avoir un plumard, c'est loupé. Attends, j'ai mal vu. Amène-nous cette porte. J'ai pas rêvé, il y a deux portes. Y a bien un lit à la cave. Eh bien. Tranquille, bol de fraises, ça va le luxe. Qui c'est qui dort là? Bon, pardon, je vais prendre un bout de lit, moi je suis crevé. J'ai mérité un bon dodo. Comment ça va? Des rumeurs? C'est possible. Et oula. Ah, tu fais des enchantements. Oh punaise. Ça coûte cher. Ça coûte trop cher. À plus. Ta Alors, qui peut me vendre des potions de magie? Banyul. Des rumeurs? Merci pour l'info. Non, pas adieu. Toi, tu vends des potions. Est-ce que tu vends des potions? Ouh, épée longue vie, oui, ce serait stylé. À 15 secondes, c'est pas assez long. Ah, cuirasse liée pour 60 secondes. Oh, araignée d'Adrea.
Vache. Waouh. Faudrait que je revienne plus tard, commencer à négocier. Oula! Oulala! Oulala! Je négocierai plus tard. Tu m'étonnes. Au revoir. Bon, il est où notre alchimiste de renom là? Oui, bonjour Adberic. Ah, le coup de la dague liée, c'est pas mal. Ah oui, je veux bien prendre la dague liée. Mais avec joie, mon grand, des rumeurs. Ok, à plus. Mais non, mais j'ai papoté avec quoi tout à l'heure, merci. Au revoir. Bon, qui c'est qui fait des potions? Ah, bonjour, Anne Galmo. Tu fais des potions? Ah oui! Ah oui! Alors attends, moi j'ai de novices. Ah. Ah, apprenti, c'est mieux. C'est-à-dire quoi ça? C'est l'efficacité du truc peut-être. Ah, j'ai du matériel de novice, mais il me faudrait d'apprenti. Ah. Alors attends. Apprenti, apprenti, apprenti. Ah bah je vais me ruiner. Tais-toi. Et tout ce qui est novice, je te le revends. Ben, j'espère. J'ai du matos de meilleure qualité. Ok. Oh, c'est bon ça. Alors, tes potions de magie, je suis prêt à me ruiner, mais je vais te les acheter. Moi, j'en ai marre. Ah, ça peut être pratique ça. Je n'en doute point. Ah, regain de magie. Oh putain, ça coûte cher. Et puis ça pèse lourd ces trucs. Ça pèse un demi, une demi-unité de masse. Je vais pas acheter les 16. Hein. Voilà, ça fait cher. Les potions de santé, je sais me les faire. Donc je vais pas. Je vais pas pleurnicher, mais. Oh la vache, ouais, elle coûte cher. Oh là 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 là. Oh la vache, 848. Cet homme m'a ruiné. Regain de magie, j'achète.
j'aime bien. Ce sera à moi de les remplir. Alors, est-ce que je peux lui vendre des trucs à moi? Non. Parce que je n'ai rien créé en fait. Je n'ai rien créé. Donc on verra plus tard. Bah tu m'étonnes, le fric que j'ai dépensé, des rumeurs? À plus. Boyoul? Boyoul? Boyoul, Boyoul? Oula, brouillard. Donc maintenant je fais des trucs de meilleure qualité. Ah ah. Ah, magnifique. Cool. Alors du coup, au niveau des quêtes, je suis un peu perdu. Que je suis allé voir à Corolle. Attends. Non. Attends. Oula. Elle me fait peur avec ces chiens. C'est bizarre de voir les chiens courir tout seul. Ah, c'est toi qu'il faut que je parle? Mais pour dire quoi? Oui, elle est là. Merci. Au revoir. Non, je vais me faire le... Yep. À plus. Boyoul. Boyoul. Ah bah tu sors. Ah bon Yule! Ah mon Dieu! Au revoir, oui, c'est ça. Ah mon Dieu, on me rend fou. Non! Salutations. Oula! Oulala! Oulala! Il se passe des choses! Non mais les chevaux, reprenez-vous là! Oh, ça va pas, non? C'est indécent.
Est-ce que Fleur est dans le lot? Oui, c'est bien, Fleur est revenue. Allez-en, et là aussi, c'est merveilleux. Ça, hey, oh, doucement les chevaux, c'est la fête. Et vous êtes combien là? Mais qu'est-ce qui vous prend? Aïe, aïe, aïe. Ah, j'en connais qui font plus ample connaissance, hein. Bon. Cochon. Non, ce sont des chevaux. Je sais plus, moi je suis perturbé maintenant. Ah oui, j'avais dit que j'allais au fort de je sais plus quoi. Alors attends, faut que je me mette en armure. Ah merde, j'ai bousillé mes gants. J'avais pas vu que mes gants avaient giclé. Et je n'ai plus de quoi faire de la forge improvisée. Non, j'ai plus. Je n'ai plus. Je suis foutu. Attends, je suis mal assis. Il faut le calme. Oh! Ah, c'est moi qui détecte la vie. Mais oui, mon Dieu, je me dis, mais pourquoi? J'ai cru qu'en fait le Bambi avait lâché une caisse. Mais non, c'est mon mégant qui me. Ouh là là! D'ailleurs, en alchimie, je peux pas faire quelque chose de bien avec les la chair de ouais, la chair des morts là. Réduction de fatigue, pourquoi pas. Toujours ça de prix. Oh là là. La vie qui coule en moi. Vache, ça déconne zéro. Ah. Moi, je dis qu'il va y avoir de l'action. Et que j'ai intérêt à mettre mon. Voilà, ma vision nocturne. Ah ouais! Tiens, tiens, il y a moyen de faire dodo. Ah oui, non, c'est pas ça. C'est pas la sauvegarde que je voulais faire. C'était préparer le sort de capture d'âme. Oh. Je crois qu'ils m'ont vu.
Ah, c'est un vampire. Je vais me faire démolir là, monsieur. Oh! Attends, j'ai un truc là, oui, j'ai un malus. Mais je suis parti pour me faire quick. Oh! Il m'a frappé violemment. Mais sans déconner, je peux pas tenter ma chance à le dégommer comme ça. Voilà, ça c'est la classe. Voilà, tu es nul. Sauf que j'ai pas de gemme assez puissante pour capturer l'âme du vampire. Dommage. J'aurais essayé. Oh, une robe noire. Dommage, dommage. Oh la vache. La masse du bazar, toi. J'aurais tenté ma chance, mais j'ai pas le dos. Oh yeah. Allez, viens me dire bonjour. Crâneur. Aïe. Oui. Putain, mais il va me faire la peau, ce con. Eh ben dis donc, j'ai failli passer.
Elle est bonne. Allons-y tout doux, allons-y gaiement. Attends, j'ai vraiment les carreaux de lunettes dégueux, mais. Minute papillon, excusez-moi. Donc, c'est quoi que je vois? J'avais même plus à distinguer l'ennemi. Je vois qu'il y a quelque chose d'animé devant moi, mais. Ah, c'est un rat. Alors, comment dire? Je crois qu'il y a du peuple. Oh mais merde! Je m'attendais pas à ce qu'il vienne m'attaquer, ce con. Merci. Au moins les flèches ont servi. Ah, oui, ils sont derrière les barreaux. Ils peuvent pas m'atteindre. Dans quoi ai-je mis les pieds? J'entends des voix.
Il y a du peuple, c'est un repaire de vampires. Pas nous refaire le tequila. Oh, Majlam Vampire. Stylé. Il va me démolir. Victimes ou c'est les bourreaux? Non, rien derrière la porte, ça va. Voilà qui est mystérieux. Oh non, me refais pas le coup du tequila. Matriarche. Stylé. Ah, je me suis trompé. Ah, mais elle est terrible, la nanas. Pam, 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 pam.
Bah dis donc. Waouh, Nerf Kids the Mer, sympa. Ah, ça vous dit sous Nerf Kids the Mer, je vais la prendre. Je vais la prendre. Dommage qu'il soit lourd. Un collier déjà allé. Bon, bah. Ah, c'est ça qui est convoité par Trucmuche. Elle en veut 8, je crois. Oh, les avions de chasse sont sortis cette nuit. Enfin, ce soir. Il est à peine 22 h. Oh là là, il y a tout un escadron d'avions de chasse. Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est pas des. Mais si, c'est des gemmes. J'ai bien fait d'ouvrir l'œil. J'ai failli louper des gemmes spirituelles gratos. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Ah, oh, j'ai pas fini ma visite. J'ai pas fini ma visite. Eh ben j'ai connu mieux la ville de Gradin. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été bon. Oh merde. Ah, regain de magie. Quand tu veux. Putain, je me ferai bouffer par les rats si ça continue. Allez, je fais le fou. Je vous ai reconnu. Putain, je l'ai pulvérisé, il n'a pas le temps de réagir. Ouah, j'étais la violence incarnée. Il n'a même pas le temps de me frapper une seule fois. C'est beau l'efficacité. Dans le match de guerre vampire, je l'ai encastré.
Laisse tomber. Oh, magnifique. Sympa ça. Tellement sympa que je vais en faire une usage maintenant. Usage maintenant. Oh, je vais arriver à parler, oui. Alors. Ma cuirasse déjà a morflé. Voilà mon bouclier. Il faudrait restaurer mon bouclier. Qui a morflé. Bon bah c'est bien. Nierf, nierf. Ah, brève histoire d'Empire volume 1. Ah, c'est facile à lire, il y a juste. Je le prendrai, mais il y a juste 2 pages. Brève histoire de l'Empire, première partie par Stronar Karjol III, historien impérial. Avant le règne de Tibère Septime, tout Tamriel était plongé dans le chaos. Le poète Thrasisis appelle cette période de troubles permanents, jour et nuit de sang et de venin. Les rois n'étaient que des tyrans cupides et qui combattaient Tibère pour l'empêcher de ramener l'ordre sur le continent. Mais ils étaient aussi désorganisés que débauchés, et la poigne de fer de Septime imposa la paix en Tamriel. Ce fut lors de la deuxième ère, en l'an 896, l'année suivante, que l'empereur décréta le début d'une nouvelle ère. Ainsi débuta l'ère troisième. Pendant 38 ans, l'empereur Tibère régna sans partage. Ce fut une période glorieuse et pieuse où tous dussèrent au souverain, respectant la justice. À la mort de Tibère, la pluie tomba pendant 15 jours, comme si la terre de Tamriel le pleurait. Le fils le plus âgé de l'empereur, Pélagius, accéda au pouvoir. Malgré la brièveté de son règne, il était, et j'ai pas la suite. À mon avis, il doit y avoir un bug à la traduction en français à partir de l'anglais, et je pense que le livre a été tronqué. A été tronqué. Tronqué. Ah ouais, ce livre est tronqué. Ah bon, ça. Ah mon Dieu, je ne sais plus parler de la vieille France, ouais. Alors, dis-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Comme le chantait Renaud. D'ailleurs, je suis con, je peux dormir maintenant. Ben oui, non, ah non, il est là, il est là le lit du quick. Mais mon risque, c'est de me réveiller avec. Oh là là, je vais rentrer de nuit en crotte. C'est de me réveiller avec la maladie des vampires. Mais il n'y a pas de vampires. Ah ah, je les ai tous tués. Donc je n'ai rien. Tiens, mon cheval. Tu t'ennuyais peut-être. Mais je suis là. Pouc. Udada. Mais si je retourne dans le village des fous, là, ils m'en voudront ou ils vont rester neutres ou devenir amicaux? Ah non, parce que Coupe-Terre, c'est vraiment un village de fous furieux. Ah, tiens, j'ai pas visité leur chapelle. Ah, je vois qu'ils sont extrêmement accueillants.
Ah! Vous êtes des vilains! Alors, parade de talent accru. Les combattants compétents apprennent à parer à l'aide d'armes et de boucliers. Un entraînement fervent a fait de vous un apprenti en parade. Parer à l'aide d'une arme ou d'un bouclier ne vous fatigue plus. Je dis oui! Oh là 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 là, cette violence gratuite, mais quelle honte, quelle honte. Pouf. Ah, tombé comme un caca. Qui êtes-vous? Oh mon Dieu. Oui, ben. Oui, merci. Aïe, aïe, aïe. Et vous, ça va? Ça va, lui, il est neutre. Ah, un lit, ouais, ah, comique. Bah alors, coupe-terre. Je sais plus quoi vous répondre, moi, les enfants. Ah, tu fais la messe? Ah, je savais pas que c'est toi qui faisais la messe, dis donc, Renard Gris. Là, va savoir. Va savoir, va savoir. Encore les avions de chasse? Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Il se passe un truc, c'est pas possible. Il y a une opération de l'armée française, mais... Bon, bah... Comment ça, mort? Mais c'est sympa, non? Oh! Ils sont fins fous, ces garçons, ils sont fins fous. Ça va mon cheval? Ça va. Cool.
Alors, mon beau cheval. Bon, allez, c'est pas le temps de faire l'idiot, mais je vais arrêter là. L'épisode doit être de plus d'une heure en plus. C'est bien, j'étais généreux. Ah là 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 là. IB. Ah oui, 1 h 15, c'est bien.